Hey salut les potes, c'est Tony, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une petite vidéo information. J'ai percuté aujourd'hui que je ne vous l'avais pas dit, donc ce serait temps de vous en informer. Je serai au Major de Rainbow Six Siege à Paris. Bon alors là, pour la petite explication, parce que je sais qu'il y en a qui savent ce qu'est le Major, mais il y en a plein d'autres qui se disent « Qu'est-ce que c'est ça le Major? Mais de quoi tu me parles encore ?» Eh bien c'est très simple, le Major c'est la plus grosse compétition, la plus grosse LAN sur Rainbow Six Siege. Encore plus gros que le Six Invitational, hein, si vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc là, ça se situera au parc des expositions, au parc de Versailles, à Paris. C'est du 17 au 19 août. J'y serai pour pas jouer. Hein. Je ne participe pas à la compétition puisque oui, c'est la Pro League. On aura toutes les plus grosses équipes au monde. Donc on aura vraiment des matchs juste géniaux au top. Moi, je serai là en tant que spectateur pour justement regarder les matchs. Mais aussi, et attention, bien sûr, pour vous voir, pour vous rencontrer, on pourra passer quelques moments ensemble. Je serai aussi là pour record un petit peu, enregistrer du gameplay et faire quelques vidéos sur le prochain DLC, la prochaine saison de R6. Alors attention, hein, petite parenthèse quand même, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont là. C'est quand qui sera le prochain DLC, qu'est-ce que ce sera, etc. On a eu d'ailleurs aujourd'hui la première image, tiens, je vous l'affiche derrière, comme ça au moins vous avez l'info. Ce sera un DLC qui sera porté sur quelque chose qu'on connaît déjà, étant donné qu'il y aura le rework de base d'Airford, hein, vous la connaissez. Ça a été déjà présenté, je crois que c'était au Six d'ailleurs que ça avait été présenté ça. Donc voilà, un bon petit rework qui fait d'ailleurs très plaisir, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et on aura aussi deux opérateurs, donc un agent qui sera britannique et le deuxième américain. On ne connaît pas trop, mais voilà, on a en tout cas cette première image qui nous dévoile un écusson. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir d'ailleurs dans les commentaires sur ce que vous pensez de ça. Et la date de sortie, donc étant donné que ce sera vraiment dévoilé au Major, on aura l'occasion d'y jouer. D'ailleurs je serai également en stream sur ce nouveau DLC. Je pense qu'on peut s'attendre à une sortie sur le TTS vers le 23, 24, 25 août, par là je pense. Il n'y a pas encore de date officielle, mais sachant comment ça fonctionne généralement, je pense que voilà, ça sera la semaine juste après le Major, tout simplement. Sinon, il y aura d'autres petites surprises, je peux pas trop vous en dire plus. Sachez qu'en tout cas, il va y avoir quelque chose avec Fnatic, quelque chose avec Ubisoft, enfin les développeurs, etc. Enfin, vous verrez tout ça, je ne vous en dis pas plus. Faut quand même qu'il y ait un petit peu de surprise, sinon voilà. Mais moi, je suis super content d'y aller, j'espère vraiment vous voir nombreux. C'est quand même l'occasion de se rencontrer. Il y en a qui viennent de la France entière pour justement aller voir cette compétition. Bah voilà, moi en tout cas, ça me fait super plaisir d'y d'y assister, voir un petit peu ces matchs encore du level de ouf comme d'habitude, et bien sûr de vous voir, de record du gameplay. Il y aura les poteaux comme d'habitude, moi et Tchark, il y aura Alexis aussi qui sera présent, il y aura la fragile froide, etc. Enfin bref, il y aura plein de monde, donc j'ai vraiment hâte d'y être. Moi j'y serai du coup à partir du 17, normal, hein, dès le commencement, jusqu'au 19, et je pars le lendemain, le lundi. Donc voilà, hein, un petit peu pour mon planning. Vous voyez, je vous dévoile tout, comme ça moi vous êtes tous au courant. Voilà les potes, et bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous avais prévu, hein, c'était une petite vidéo pour vous annoncer ça. J'espère en tout cas vous voir très nombreux, et puis on se retrouve là-bas. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.